Team Ripley, bonjour, bonsoir. Nous sommes actuellement en direct de Méridian, où Aloy eh bien, a pris conscience la fois précédente que sa préparation laissait à désirer, parce que nous avions essayé de faire le creuset rond. Ce n'est pas encore un variant Covid, ça reste juste un creuset. Sauf qu'on était absolument pas prêts. Il nous manque un matos considérable. Donc, le but, ça va être de farmer un tant soit peu, et pourquoi pas partir à la quête des fleurs de métal ou des nouvelles quêtes qui sont disponibles depuis le DLC The Frozen Wild. Le fait est qu'on va devoir... Non, je ne vais pas utiliser un feu de camp, je vais essayer tout simplement eh bien, de sortir de cette ville. Alors, pourquoi ça rame? J'en ai fichtrement aucune idée. Ouais, mais sauf qu'il y a... Oh là là, mais pourquoi ça rame comme ça? Je pense que c'est juste le temps que le jeu se fasse, mais... Bon, on va sortir. Déjà, on va s'échapper de là, on va sortir. Et alors ça, c'est les ascenseurs. Mais est-ce qu'on ne peut pas en partir? Bon, déjà, descendons et après on avise. Alors, dis donc, il est long. Il est long cet ascenseur. Eh ben. Je vois les contrepoids derrière, mais... Ah, d'accord. Bah, dis donc. Oh, le room service, c'est pas ça. Hein. Je vais m'en plaindre au roi. Que ça nous emmène vraiment tout au pied de Méridian, donc c'est l'idéal pour aller directement partir à la chasse. Parce qu'il faut aussi, je crois bien mes amis... en capacité de stockage, augmenter tout ce qui est mon carquois. Le carquois de chasseur, je peux l'améliorer, mais c'est pas celui-là, moi, que je veux améliorer. C'est pour les flèches de précision. Il me manque un os de raton laveur. Donc il va falloir que je parte à la recherche de tous les ratons laveurs de la planète pour être sûr de dropper un os. La quête de l'os du raton laveur est lancée. Oh là là. Allez, vite! J'exige! Merci. Qu'est-ce que cela? Une gaz de ravitaillement. Again. Ok. Il n'y a pas d'ombre sous le soleil de midi. Des paroles à retenir. Il n'y a pas d'ombre sous le soleil de midi. C'est beau. C'est très très beau. Par contre, le grand coup de cette zone, il est tout en bas. Eh ben, faisons cette quête. Allez, c'est parti. Par contre, la quête actuelle. Explorer le creuset. Non, je ne veux pas y retourner, tout du moins pas maintenant. Parce que la ville du soleil, c'est quoi? Trouver Olin sur les fouilles, sur le site de fouilles. Sur les fouilles de site. Yes, on trouvera Olin après pour l'heure. Occupons-nous du grand coup de cette zone. Parce que ça serait bête quand même. Ah. Oh. La flèche. Elle est immense. J'ai bien fait de m'arrêter. Belle structure. Alors là, on est au port de pêche. Mais comment passe-t-on de l'autre côté? Eh ben, partons à la nage. Ce que c'est beau. C'est sûr, sans les pollutions lumineuses du monde moderne, on arrive beaucoup mieux à voir les constellations. Un site de galopeurs, c'est intéressant, mais le fait est que, au final, ça va être faisable à pied. Zoui, voilà. Et d'ailleurs... Voilà, c'est le seul truc que je peux fabriquer à fond, donc... Autant ne pas changer une équipe qui gagne. Et pour l'instant, il n'y a pas d'animaux à vue.
J'observe un petit peu partout ce qu'il y a, bien sûr. Un sanglier. Un sanglier. Tu es un sanglier. Moi, tout ce que je veux, ce sont des ratons laveurs. Alors, je ne sais pas si passer par là est fichtrement recommandé. Qu'est-ce que cela? Je veux ouvrir la porte. S'il te plaît. Hein? Mais pourquoi tu te casses? Non, tu te casses pas. Mais... Ravioli, qu'est-ce que tu fais encore? Il fait n'importe quoi. Oh, il y a une porte, mais il y a autre chose derrière, là. Ah, parce que... ouais, enfin, non. Enfin, bref, quoi. Je veux juste... désactiver la quête. Merci. Mais bah, je vais faire le tour plutôt de l'autre côté. Comme j'ai vu après coup qu'il y avait un accès... Un accès plutôt par là. Je crois que c'est dans cette forêt qu'il y a les machines invisibles. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Une oie. Ah, c'est quoi ça? Les coureuses. Mais je peux déjà les pirater. Ça veut dire qu'elles pourront me servir de monture. Ah, un raton! Viens ici, toi. Rah! Je prends de la viande osseuse, mais il n'y a pas d'os, quoi. C'est logique! C'est parfaitement logique. Par contre, il va falloir que je me chope une coureuse quelque part. Parce qu'elle pourrait me servir. Oui, il y a du rouge là-bas. Attendez. Alors déjà, il y a un feu au sud. Why not? Il y a un raton laveur qui vient de passer devant mon pif! Oups! La gourmandise d'un chasseur! Oh oui, c'est là que je l'ai eu! Yes! Zoui! Vous ne m'attraperez pas! Vous ne m'attraperez pas! Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais essayer de courir là-haut. Zoui, zoui, monte. Mais vous le faites exprès ou quoi? Hop, toi t'es stun. Toi t'es stun aussi. Qu'est-ce que je suis en train de faire selon toi? J'enfile des perles? Non mais dans l'œil, par pitié. Bon, elle se barre. Elles sont barrées. Ah quoique. Serait-elle téméraire? Merde. Yes! Best idea ever! Mais avant ça... avant ça... Maintenant c'est une peau de raton. Ça n'est plus du tout le même fun. Mais t'es juste à côté de Méridian. Thank you.
Ah non, ça ne fait rien. Ça ne fait strictement rien. Bon, au final, je voulais faire de la chasse. Mais non. Elle est buggée ou quoi, cette machine? Mais tais-toi! Je suis déjà en train de le faire. Oh, misère. Voilà. Des éclats de métal. Hop. Ben voilà. Bon, au final, pour un râteau laveur, ça valait le coup. Par contre, je vais m'éloigner d'ici. Et ils sont barrés? Ils sont barrés. Bon. Et ben sur ce... Oh. Qu'est-ce donc? C'est un renard. Bon, soit. Continuons notre route. Je n'ai pas pu pour l'heure. Ah! Eh ben maintenant j'ai de l'os, mais j'ai pas les peaux. Un feu de camp, donc qui est découvert. Par contre, au niveau artisanat, j'ai beaucoup crafté, je pense, aujourd'hui. Sacoche de ressources, peau de sanglier, 125. Sac de piège. Ouais, d'accord. Donc il arrive au max. Sac de potion. Ok. Sac de munitions. Ok. D'accord. Et eux aussi. Voilà. Bon. Donc au final, j'ai plus assez d'éclat et il me faut une peau de raton laveur. Ce qui ne m'arrange pas. Ma sacoche de soins est pleine à craquer, ce qui est une excellente nouvelle. Yes. Et de une... Et de deux. En fait, c'est ça que j'entendais par crafting la dernière fois. C'était surtout récolter les denrées nécessaires pour pouvoir faire des améliorations, en fait. Et là, clairement, juste pour le creuser, mais j'étais préparée à la rachasse, en fait, quoi. Il y en a qui arrivent à faire. Moi, il faut quand même que je me prépare un minimum, même si je sais qu'il y a encore des améliorations à faire, bien sûr. Bon, les Karja, au final, ils n'ont pas décollé de là où ils étaient. Hein. Yes, voilà. Donc, le grand coup. Je suis sûre qu'il va y avoir déjà plein de machines là-bas, donc au final, on va retomber sur nos pieds. Ah! Qu'est-ce que c'était que ça? Un lapin! Un lapinou! Voilà. Le coup. Toujours viser le coup. Hop là. Oh, quelque chose de rare. Un os! Où est-ce que j'ai besoin d'un œuf de dinde? D'un œuf, n'importe quoi. D'un os de dinde. Dans l'artisanat. Ah, déjà là... Ouais, bah, je suis à court de fil électrique, en fait. C'est ça qui me fout dedans. La viande grasse. Il me faut des saumons. Voilà. Oh! Yes! Yeah! C'est pas mal. Mais... Sac de potions. Ah, le raton laveur, il va y passer. Il me faut du renard, du raton laveur. Encore du renard. Du sanglier. La viande grasse. Et du lapin. Renard, lapin, sanglier, ouais, bah oui. Besoin. Au final, j'ai pas tant besoin que ça de dinde. C'était pas l'urgence, en fait.
Une oie. Oh! La musique vient de changer. Une dent animale porte bonheur. Ouf. Ah! Des galopeurs. Ok, donc c'était ça. Alors les rats sont ultra lourds à... Yes! C'est bon! Les saumons. Y'a pas... Y'a pas de poisson, mais y'a du raton laveur. Hein, comment ça, un site de hautes pattes? C'est des hautes pattes! Au secours! Où est mon raton laveur, par contre? Ok. Il y a les mollo, 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 mollo. Voilà. Il y a mon raton laveur. C'est bon. J'aime pas les hautes pattes. Ah déjà, est-ce qu'il y a au moins une machine que j'apprécie dans le jeu? Pas vraiment. Mais déjà, une chose est certaine, c'est que le grand coup n'est pas loin. Qu'il faut que, hop là, je fasse un peu de ramassage. Parce que tous les ramassages sont utiles. Pour l'instant, pas d'animaux à l'horizon. On arrive vers de meilleurs auspices. Je la préparerai plus tard. Alors là, il y a des veilleurs. Il n'y a pas d'animaux, c'est incroyable. C'est ça? Ah, c'est les brouteurs. Hein? Avec? Qu'est-ce que c'est que ça? Un tracker. Oh mon dieu! C'est ces fameuses machines qui sont invisibles. Faut que je m'en aille très vite. Donc, ok. Hop, hop, hop. Prenons de la hauteur. Sans jamais en descendre. Je capte un autre signal. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un renard, vite! Et de 1. Par contre, c'est vrai que le sanglier, ça me fait suer. Ne pas avoir assez... Ah, si. Bon. Déjà. Ah, le stress est présent. Mon lapin, il est là. Non, c'est un renard. Je ne sais plus ce que c'est. J'aurais pas dû utiliser ça. J'en ai déjà pas beaucoup. Bah, la dinde, elle est rendue, elle est là. Peux-tu venir ici? Viens ici. Mais... Oh non mais... Elle est bien fraîche. Donc ok. Ah oui. Oh mais il y a quelque chose d'intéressant là-haut là. Quoi ça? Oh là là! Je crois que je me rapproche du signal. Je
Yes. Bon, je dois atteindre la tête du grand coup. Mais c'est quoi son parcours ? Il va pas du tout par là. Oh mais c'est pas vrai. Oh mais c'est pas possible, c'est le mouroir ici. Par contre oui, j'ai une percée ici. Oh oui, bah c'est le fameux passage avec les grandes pattes, j'en étais sûre. J'en étais sûre que c'était ce passage-là. Pourquoi j'ai choisi de faire ça ? Secours. Attendez, mais si le grand coup il passe là ? Mais alors ça veut dire... je peux monter. Ah. Alors, j'aimerais juste avoir une ouverture si possible. Si possible. Bien sûr, au secours. Au secours. Ah. Bah, reviens au sol, voilà. Hein? What? What? Parce qu'il y a des soldats qui viennent. Mais c'est pas le moment en fait. Hey. Normalement. Non, y a rien pour s'accrocher. J'étais sûre qu'il y avait des trucs par là. Faut que je temporise. Il faut temporiser. Au secours! Mais merde! Loin. Vache. Oh, il y a des oiseaux. Stop. Par contre, ce qui est pénible dans ce jeu, c'est qu'on peut pas grimper où on veut, quoi. Je peux grimper que là en fait. Ça ? Je peux m'en sortir. Je
Waouh, j'ai peur. Mais, oh non, elle a sauté par-dessus de la corde, c'est de la triche. Catastrophe. Je sais pas du tout par où passer. Ah, quoique. Ouais, mais non, je suis trop loin là. Je monte. Merde. Par où est-ce que je peux monter ? Merde. Je t'ai trouvé. Ah, c'est peut-être jouable. C'est pas jouable du tout, je suis trop loin. Oh, j'étais du bon côté, punaise. J'adore parce qu'elle fait tu vas te battre. Wow, elle peut m'atteindre d'ici. Incroyable. Ok. Effectivement. Par contre. Mais non. Que je peux t'avoir, je suis sûre que je peux t'avoir. Oh, non. Vite le grand coup. Oh punaise. Vite le grand coup. Oh oui, je peux l'avoir. Je suis sûre que je peux l'avoir. L'endroit idéal pour sauter sur le grand coup. Yes. Oh yes. Ça y est, c'est bon. Je dois atteindre sa tête maintenant. Par contre, comment j'atteins sa tête ? Ah, là. Ouh ! Oh là là ! Oh là là, oh là là !
Je viens de me rendre compte. Incroyable. C'est incroyable ce qui vient de se passer. J'étais mute depuis la cinématique. Yes. C'est pas grave, ça sera coupé en montage, on fera comme si on n'avait rien vu. Yes. C'est magnifique. Je garde ça pour la route. Instant focus quand même, un tant soit peu là. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Ok. Voilà. Et puis, hop. Voilà. Pour l'instant, on va se contenter de ça. Une zone corrompue. Oh oh. Ça veut dire des machines à l'horizon que l'on pourra éliminer. Donc on va s'occuper de cette zone corrompue. Alors, merci. J'ai bien tanné mon cuir, il tiendra. Alors, on est dans la zone corrompue. Soit. Ah ouais, 23, quand même. Mais ça veut donc dire... Eh oh, ah ouais, alors là, ah ouais, non, ça va être la mort. C'est des veilleurs corrompus. Ah ouais. Et je viens de voir des oiseaux passer. Il y a un creuset là. Et si je revenais là, tout du moins pour me faire le camp de bandits ici, ça serait pas mal ça. Et il va falloir que je me refasse des... Comment dire? Des sacs de voyage. Mais j'étais mute depuis combien de temps? Au secours. Oh. Dure journée en perspective, je le sens que ça va être... épique. Je sens que ça va être épique. Ok. Une musique agitée comme ça, je pense qu'il y a un danger dans le coin. Non? Oh! Un raccoon! Un raccoon. Wait! Et derrière le rocher. Il est derrière le rocher. Voilà. Je mangerai ça plus tard. Alors, maintenant que j'ai une peau de raccoon. Ah non, toujours pas. Parce que j'ai pas assez d'éclats de méta. Bien sûr. Bien sûr. Je vais aller à l'ouest. Pour me faire le camp de bandits. Oh, qu'est-ce que je vois là-bas? Une charognarde. Certes. Est-ce qu'elle a capté que c'était moi? Visiblement. Voilà. Oh oui. Oh, merde, le stun s'est arrêté juste à ce moment-là. Oh.
ouf. Ouf, ouf, ouf. Bon, je vais arrêter de faire de la merde, de préférence. Je ne suis pas du tout partie à l'ouest. Enfin, c'est de l'autre côté de cette montagne. La nuit va tomber. Les zones corrompues. Hop, on arrête là. On va voir ça plus tard. Voilà. L'objectif là, c'est d'aller de l'autre côté de cette montagne pour comment dire, rejoindre le camp de bandits. Moi ? Non. Ah ! Arrête de bouger. Bah. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà qu'il me chasse. Et voilà. Je croyais qu'elle était morte. Il ne se passe absolument rien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Par contre, j'ai une santé horrible. Donc ça va être cueillette et chasse. Ah, oh, très utile. Avant de s'intéresser peut-être à la quête de Olin. Donc on est à la recherche. Pour en savoir plus sur ses intentions. Rien à signaler à part des lumières oranges suspectes dans le fond. Ce sont juste des torches. On sait jamais, ça peut servir. Donc le feu de camp est là. Je continue de longer la rivière. Mais c'est le camp de bandits. Mais oui. C'est le camp de bandits que je cherchais. Tout à fait. Ah ah! Vous voilà. Et ils ont désingué tous les arbres autour. Veilleur détruit. Deux mecs là. Ils ont désingué toute la forêt pour mieux voir autour d'eux. Ils sont malins. Et si j'arrivais à désinguer le... Ah, je vois pas sa tête. Oh oh! C'est passé! Toi aussi, tu ne bouges pas. Bon. Il semblerait que ça marche. Un passe de l'aile noire, ça me parle cet endroit. Elle est partie par là. Ah, quelqu'un m'a repéré. On va attendre qu'il se calme. Qu'il se rende compte qu'il ne se passe absolument rien. Pour
pourquoi je ne l'ai pas mis. Parce que tout simplement, j'avais mis cette bobine de dégâts quand je suis allée dans le creuset, mais j'ai complètement zappé de le refaire. J'aurais pu me mettre de l'autre côté. Par contre, niveau compétences, je vais en profiter. Niveau compétences, il me faut la compétence bricoleuse. Ouf. Ouais, ouf, c'est pas encore fini, hein. Allez. Ah, je suis trop basse. Il y a moyen d'aller de l'autre côté, c'est ça? Ouais, mais là, on n'est pas dans le camp, là, on est à l'extérieur. Là, il y a la rivière. Ok. Ah! Ok, là, c'est l'autre partie du camp. Bon. Quelqu'un d'autre ici. Voilà. Alors eux, ils sont tous les deux ensemble. C'est trop risqué de les attaquer. Par contre, lui, il est trop loin. Lui, là-bas. C'est un dur, apparemment. Alors eux, ils vont lancer l'alerte parce qu'ils auront découvert les deux corps. Je vais retourner là d'où je viens pour éviter toute alerte. La pluie n'est pas vraiment en ma faveur. Et donc en fait, ils ont capté les deux premiers corps, mais au final, il n'y a personne d'autre, quoi. Ok. Hop, 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 hop. Y'a personne, y'a personne, y'a personne, y'a personne, y'a personne. Y'a personne. Y'a absolument personne. Vaille. Bah, ils ont capté qu'il y a quelqu'un qui est mort, donc... Là, il fait nuit, c'est pas du tout à mon avantage. Pas du tout. La terre a soif de pluie. Moi, pas trop. C'est sûr. Ah, mais je peux monter, là. Ah, oh. Ah, oh, ah, oh. Les bandits séquestrent ces gens. Yes. J'ai peut-être une entrée de l'autre côté. On va déjà prendre un peu ça au cas où. Là, il y a une lumière rouge. Je ne sais pas pourquoi, ça m'inquiète. Ah, j'aurais peut-être une meilleure chance ici. Ah ah ! Il y a quelqu'un là-haut. Le gredin, il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté, je ne peux pas le voir. Hmm.
Est-ce que là je peux le voir? Non, je ne peux toujours pas le voir. Allez, Aloy, Aloy, s'il te plaît. Ah là. Par contre, là en bas, j'ai une meilleure vision de ce qui se passe. Oh. Voilà. Bon, maintenant j'ai la preuve que ce truc marche. Dommage. Bon là je suis bien planqué, elle risque pas de me trouver. Putain, vivement que le jour arrive. En attendant, je me fais. Ouh, y a plein de nouvelles ressources là-dedans. Ouais, je vais avoir largement de quoi commercer en vrai. Non, ah oui, donc ça, voilà. Hop là. Allez, circulez. Comment ça? Zut. Bah oui, puisqu'il y a un cadavre. Donc forcément, il va aller vérifier. Voilà. Allons nous planquer niveau 17, magnifique. Ce qui signifie que je peux continuer. Ah, fabriquer des munitions supplémentaires avec la même quantité de... Oh, oh. Malheureusement, faudra que je voie ça plus tard. Parce que je vais avoir besoin. Oh, y a des choses. Un double tueur, oh, mais c'est abusé. C'est tellement abusé. Voilà. Je vais pouvoir récupérer mes pièges, les désarmer et économiser ainsi des choses absolument fabuleuses. Eh bien, bienvenue, Play with Friends. Je suis en toute discrétion pour une fois. Pour une fois. Mais dans un sens, heureusement que dans ce jeu, il n'y a pas de... On va dire... Comment dire? D'achievement pour la discrétion, parce que je serai très vite perdante. Bandit tireur, mettez de l'autre côté, je peux pas t'atteindre. Là par contre, j'ai un endroit safe, mais j'ai rien où me cacher. Toi! Tu es le prochain. Si tu ne bouges pas trop, j'ai dit si tu ne bouges pas trop, si tu ne bouges pas trop. Par contre, ah. Attention, c'est pas passé loin ça. En effet, c'est pas passé loin. Ce qui me laisse le loisir, même pas. J'ai déjà plus de fil. Au secours. Hop, allez, on va en refaire un petit peu. Voilà. Ah, c'est vrai que j'avais des flèches d'extraction. Une proie facile? Je ne suis pas sûre. Ah, c'est qu'il y a une autre entrée de l'autre côté. D'accord. Mais pourquoi je suis avec ça? Pas du tout ça que je veux.
Voilà. Ouais, ouais, viens voir ce qui se passe par là. Je te jure, c'est très intéressant. Mais pas eux. Allez, approche-toi. Ne sois pas timide, enfin. Qui a dit que tu mourrais aujourd'hui? Personne. T'inquiète pas, c'est pas dangereux. C'est très drôle. Viens me voir. Comment ça? Ah oui, donc ça m'indique juste le feu, mais je m'en fous du feu en vrai. Alors, c'est risqué sous cet angle-là. J'ai vu un truc. L'alerte n'est absolument pas là, regardez. Je vais me tenir tranquille. Ah oui, il y a deux gros guerriers bien vénères, quoi. Il se passe rien. Ce n'est qu'une fausse alerte. Je vous le répète. Ce n'est qu'une fausse alerte. C'est ça, il n'y a personne. Wow, bah dis donc. Il y en a un qui était sur le point de me... Ah, what? Non, j'étais pas du tout tournée de vous. Il fait jour! Incroyable! Il fait jour! J'y vois! Merde, merde, merde! Faites-vous plaisir. Au secours! Doucement. Il en reste 1, 2, 3, 4, 7. Enfin, du moins, là, j'en vois 7. Mais lui, là, de l'autre côté, il m'embête, là. Je veux tout faire en furtivité, même si là c'est moyen, quoi. C'est moyen, mais ça se vaut, en fait. Je vous le jure. Mais toi, j'ai envie que tu te barres, là. J'ai envie que tu sortes de ta cachette. Merci. Enfin! Bon, la zone commence à être bien nettoyée, là. À part le bandit brut. Je vais les libérer. Tout va bien, je vais vous libérer. Casse-toi. Je vais vous libérer. J'espère qu'ils vont pas se faire tuer, par contre. Oh, il y en avait qui avaient des potions sur eux, les petits cachotiers. Petits cachotiers. Je voudrais remonter. Je voudrais remonter... Ah bah par là. Non. Par pitié à l'œil, arrête de le faire exprès. Arrête de... Merci. Et le cirque Pinder, sous vos yeux ébahis, l'acrobatique à l'œil. Oh. Ils sont loin. Ils sont très loin. Comment vous êtes TP ici, vous? Incroyable. Oh, c'est une carcasse d'avion, ça. Oh. Non, mais c'est qu'en fait, il respawn automatiquement. Enfin, si j'ai bien compris. Mais c'est pas vraiment ce que je veux, en fait. Hop, voilà. Voilà. Mais oui, il respawn automatiquement. Bon, attendez. Non, 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 mais ça fait deux...
Deux fois, punaise. Je veux aller trop vite, ça me saoule. Allez. On recommence. Hop. Allez. 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 Mais... On va pas me dire que c'est pas de la merde, ça. Quand même. Quand même. Ah. Ça, c'est bon. Par contre, pour se cacher, c'est un peu... Non, c'est pas terrible. Hein. Il y a des carjas qui sont là. Oh. La tête. Voilà. Alors, si tu te mets devant moi... Non. Hey. Et bim! C'est une alarme. Assez bruyante pour en rameuter d'autres. C'était ma dernière flèche. Voilà. Il y en a plus que trois là-bas, en fait. Contre, on peut passer là-dessous. Hein. Oh mais oui, on peut passer là-dessous. Pff, yes. Pousse. Voilà. Oh. Il y a des choses intéressantes ici. Rien. C'est planqué, mais il n'y a rien d'intéressant. Ah ah! Pousse-toi de ma vue, au secours! Depuis quand un archer se met devant les flèches? Je vous en conjure. Oh punaise. Oh ça me saoule. Oh il me saoule. Merde, il y en a deux autres qui sont arrivés. Qui est-ce qu'ils ont alerté là? Ah oui! Ah, c'est pas la petite armée! En effet! Ah oui d'accord, ok. Bonjour monsieur. Comment allez-vous?
C'est bon ? C'est bon ! Victoire ! Pfff, plus 10 000 ! Ah ouais, quand même ! Waouh ! Et il fait soudainement jour. Enfin, nous sommes rendus au soir. Marchand, je viendrai vers toi juste après. Oh, le petit tonneau qui saute, comme c'est mignon. Bon, le feu. Tu éviterais de me parler si tu me connaissais. Bah ouais, mais moi je suis sympa, donc je discute avec les gens. Les Océram passeraient des semaines à fabriquer un engin pour faire un travail pour les Karja. Je peux pas monter là-dessus. Bah non. Ça serait trop facile. Faut faire le tour. Encore. Zoui. Allez, à l'œil. Oh, pitié, pitié, quoi. Pourquoi, dans un jeu comme ça, il faut des endroits précis pour aller quelque part? Où est la liberté? Alors c'est tout ce qu'il y a là que j'avais pas récupéré par contre. Il y avait beaucoup de choses. Hop. Oh bah quand même, les Noras se sont fait massacrer certes, mais il en reste quand même. Enfin, ils sont pas non plus totalement décimés. Ah, j'ai cru que j'avais plus de place. Hop. Ah, j'avais tué. Ah ouais. Ok, donc ça c'est d'autres trucs à l'extérieur. Donc après, elle va en rester là. Et là. Hop. Et oh oui, c'est vrai que j'avais vu ça là. Les Océram ne valent guère mieux que les Nora. Bah alors, ce qui me fait peur. Ce qui me fait peur, tu te souviens quand je disais dans mon dernier, ce que je disais dans mon dernier message. Quand j'avais peur, j'ai compris pourquoi. C'est pas à cause des robots, c'est vrai qu'ils sont terrifiants. Quand je me retrouvais en phase 2, de toute façon, il y aurait que deux issues, la vie ou la mort. Cette binarité toute simple a quelque chose de rassurant. Ce qui me fait peur, c'est que je kiffe ce que je fais. Avoir une AED dans les mains, la sensation d'un canon magnétique, j'aime ça, Merc. Après 3 ans à crécher dans un squat, j'avais une crête sur la tête. On passait nos journées à sniffer de la poudreuse et du sabre, et nos nuits à écouter des groupes de slam funk. On était des anarchistes et maintenant je kiffe la discipline, le jargon militaire et les uniformes. C'est ce qui me fait flipper, Merc. J'aime ce que je déteste. Ou ce que je détestais plutôt. Est-ce que ça veut dire que ma vie jusqu'à présent était une supercherie ou que la personne que j'étais était déjà morte? Je comprends pas. J'essaie de me dire que ce n'est pas une guerre comme les autres, que le but c'est la survie, pas la thune. J'essaie de me dire que c'est juste une autre forme d'action directe après tout. Les robots c'est jamais que les larbins ultimes du capitalisme, non? Mais en fait, ça m'épuise de réfléchir. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on se batte jusqu'à ce que le projet Hope Zero soit prêt. Si je survis jusque-là, je reprendrai mes considérations politiques. Je vous aime, toi, ici, Izzy. Oui, c'est vrai, ça me revient. Le projet Hope Zero. Non, c'est là-bas. Faut que j'aille là-bas récupérer tout le matériel. Bah, il s'est levé après une très longue nuit, mais la nuit a été vite dissipée, on va dire. Une femme monte dans la hiérarchie du pavillon des chasseurs. Et bien, le monde change. Yes ! Mais il en faut ! Il en faut, il en faut ! Ah, mais c'est vrai qu'il y avait une autre problématique avec Brunante, mais je sais plus ce que c'était. Alors. Qu'as-tu à vendre ? Mouais. En fait, j'ai pas ce qu'il faut en tenue. Karja, oui, ça permet de résister au feu. Ah, hein. Ok. Parce qu'après, l'autre armure chasseuse discrète, ouais, il me faut 800 éclats de métal. C'est loin, quoi. Ultra loin. Par contre, marchand, puis-je te vendre des choses? Il y a des choses qui me servent à que dalle.
Ah, vendre plusieurs. Voilà. Brûlure de métal, usage. Ça, c'est échange, échange, échange. Ces trucs-là, on les garde. Ces trucs-là, on les garde. Ça, je garde. Et ça aussi. Bah, et sinon, le reste, ça me sert pas, quoi. Bon. J'ai combien d'éclats, là? Attendez. Zut, je ne les vois pas. 759. Oh merde, j'aurais presque ce qu'il faut pour avoir la tenue. Ah. C'est dommage. Artisanat. Déplacement. Merci. Parce que dans le coup, des packs de déplacement rapide. C'est quoi ça? Ah. Ok. Ah, et puis il y a tout un tas de trucs, mais je peux pas. Ça, lui, par contre, je peux pas encore le débloquer parce qu'à cause des crocodiles. À cause des crocodiles robots, c'est pas facile. Et où est-ce qu'il y a éventuellement d'autres camps de bandits? Il y en a un là. Que j'ai pas fait. Avec plein d'artefacts autour. Eh ben, prenons le risque. Prenons le risque de faire un peu de ménage. Et d'avoir un peu plus de stuff. Et après, j'irai sur la quête d'Oline. Sauf que je crois me souvenir qu'il y a un corrupteur, donc il faudrait que j'aille sur un terrain de chasse de machines pour être sûr d'avoir un peu de ferraille. Oups. Oupsi, oupsi. Bon, je ne suis pas au niveau de oupsi d'Antoine Daniel, mais bon. Voilà. Allez, vite. Au final, même avoir déclenché l'alarme, ça va. En vrai, ça va. Nous revoilà au début des temps où il y a des machines en bas. Et si à la place de les prendre, je me les faisais. Lol. Je n'ai pas, à ce qui paraît, beaucoup de munitions. Donc bon. Comment dire ? Comment vous dire à quel point... Ah, c'est un peu la mouise, quoi. Que je ne sais pas viser. Ah, ah, ah. Oh, wow. Et ils s'en vont au loin. Ça fait déjà deux machines en moins. Ce qui est déjà pas mal. Oups là. J'en profite et je prends. Yes. Faut toujours en profiter. Un tissu de discrétion. Est-ce que je peux le mettre Non, pas ça. Ça. Mouais. Pas très adapté, on va dire. Oh, feu de camp découvert, ça c'est parfait.
Par contre, au niveau des bestioles... Bestioles ! C'est un peu loin. Oui. Le lapin est parti. Quelle épicness, un combat dans une forêt, quoi. Et nous nous dirigeons tranquillement vers le prochain camp de bandits. Mais le problème, mes amis, je vous le dis, c'est le manque de mun encore. Voilà, ça s'enflamme, ça s'enflamme. Boum! Et voilà. Mmh. Qui m'a détecté tout là-haut? Je ne sais point. Yes. J'ai 5 flèches. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté d'un moment. Je fais des réserves. En mode ninja, toujours, bien sûr. Mais dans le coup, est-ce que je vais avoir assez d'éclats de métal pour m'acheter mon armure discrète? Qu'est-ce que... Ah, c'était donc lui. Oh oh, un renard. Un renard. Tiens donc. Un petit renard. Donc là-bas, il y a des veilleurs. Soit. Je garde ça pour plus tard. Mais non. Hop. Et ramenons-nous de l'autre côté. Voilà. Oh bah, le camp de bandits, je risque pas de le rater. Par contre, le truc fun, c'est comment je les tue. Parce que, comment dire, j'ai pas vraiment beaucoup de munitions pour tous me les faire. Ce qui signifie que c'est un peu un compromis. Donc il va falloir la jouer très malin. Très très malin. Bon, il y a une dinde là-bas, mais je ne vais pas l'embêter. Par contre, ce que la carte m'indique, c'est que je suis dans la zone d'un réceptacle. Alors, où est-il? Ah ah! Oh, ah non, machine détruite, mais c'est toujours mieux que rien. C'est un feu de camp. Ok, mais où est le... Où est l'artefact? Ah, ah, ah! Intéressant. Tu étais là. Je vais les éviter pour l'instant. Yes! Mmh. Il y a une oie qui passait par là qui s'est fait tuer. Des veilleurs qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Oh non, la pluie. Varl a parlé d'un camp de bandits dans des ruines de métal. Ça doit être cet endroit. C'est celui-là, je pense. D'être prudente. C'est celui-là. Par contre, ouais, où se trouve-t-il? Hmm.
Mais on s'en fout de tes tresses. Ce jeu n'est pas fait pour être belle. C'est pas un concours de beauté. Je n'ai pas droit à l'erreur. Ah, ils sont quand même nombreux. Ils sont quand même nombreux, ils ont rien capté. Enfin, du moins pour l'instant. Mais je peux en fabriquer ? Non, mais ça me saoule ! Je ne peux toujours pas en fabriquer ! Au secours ! Ah ! Non, oups. Wait. Ils sont pas en face de moi, je peux rien faire. Un chemin là. J'ai toujours pas assez pour mon armure. Hein. Enfin pour ma tenue. Et le réceptacle, je sais pas où il est moi. Oh. Nye. Je suis un peu frustrée là, parce que dans un sens, j'ai vraiment envie de me faire le camp de bandit, mais de l'autre, je manque de matériel. Comment je peux faire? Il y a un autre os de raton laveur qui normalement... Ah ah! Ben oui, mais... Oh, je suis débile. Oh, c'est pas vrai. Boîte au trésor. Eh oh! Eh, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, là. Mm-hmm. Comment je vais les éliminer? Avec le peu de flèches que j'ai. Mais non! Qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas assez de flèches! Moins que je passe de l'autre côté. J'en aurais sûrement besoin. Oh, il recommence à flotter. Ah, mais des bris antiques. Le truc est là-dedans. J'entends des bruits vraiment chelous. Ah! C'est qu'on a quand même besoin qu'il puisse courir. Niveau 3? Sérieusement? Mais je l'ai l'attaque du dessous? Je suis pas sûre. Je ne l'ai pas. C'est con. Ah. C'est bait. C'est vrai qu'au final, je pourrais quand même... Ah non, j'ai pas assez de pièges. J'ai clairement pas assez de pièges. Oh. Oui, non.
reviens là, voilà, tu te caches en dessous. Et lui, on va l'éliminer furtivement. Il arrête pas d'envoyer des caravanes qu'on peut plier. Une fois qu'il se sera tourné. Allez, barre-toi. Eh oh, d'accord. Tu sais comment je veux mourir ? Désolé. Yes. Oh mon Dieu. On n'arrête pas le progrès. Ah là 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 là. Bon. On va peut-être y arriver. Faut juste que je regarde où se trouvent les gens, c'est tout. Donc il y a un Jean ici. Débris antique, c'est bien derrière ça. Oh, putain, j'ai eu peur. Ok, donc il fait deux allers-retours, si je calcule bien. Il va là. Donc, non, je vais pas maintenant. Ma flèche dépasse, mais ce n'est qu'un détail. Vas-y, tourne-toi. Benoît, tourne-toi! Là, il y a un autre Jean. Là, il n'y a personne. À la bonne heure. À la bonne heure. Un gant de 6 est enfui avec ma meilleure lance plantée sur lui. Voilà. Donc là, théoriquement, ici, on est plutôt bien. Il y a d'autres débris antiques là. Bah oui. Donc de ce côté-ci, ça a l'air d'être bon. Maintenant, lui. Ou non, maintenant, lui, là. Oui. Mais oui, jamais. Les voyageurs sont prisonniers. Pauvre bougre. Et si j'avais une meilleure vue d'ici? Qu'est-ce que ça donnerait? Alors, il y a d'autres gens ici. Il y en a un autre là. Ok. Non. C'est pas ça. C'est ça. Ok, lui il est devant le feu, il a rien vu. Assassin's Creed-like. Là. Toi. Très légèrement au-dessus, très légèrement au-dessus. Bah dis donc. Il y a un autre champ là-bas, c'est quoi? C'est qui? Nil.